Un biopic sur qui? Bardot. Oh ben, faut prendre Louise Bourgoin. Écoute, elle est sublime, elle est moderne. Elle... Hein? Bardot vieille? Mais ça intéressera qui, ça, franchement? Passionnant. Attends, deux secondes. Tasse de thé. Oui, allô, excuse-moi. Ben oui, mais enfin, qui va accepter de la jouer? T'as vu la tête? Mais elle a touché à rien, l'autre, même pas une teinture de cils. Enfin, elle est abrute, hein? Ouais, qui ça? Alors, oublie, elle est marxiste-léniniste ou trotskiste ou je ne sais quoi. Elle va jamais accepter de jouer Bardot maintenant. Qui d'autre? Ah non, elle est allergique au soleil. Tu la mets à Saint-Tropez, elle nous fait un mélanome direct. Déjà qu'elle n'est pas facile à assurer. Oui? Ah non, elle, c'est impossible. Elle n'aime pas les animaux. Oui, je sais. Moi, j'adore ça, j'en ai toujours un sur moi, mais elle... Ah non, non, impossible, je t'assure. C'est une ménagerie, là-bas, il y a un âne, il y a 12 000 clèpes, c'est impossible. Mais je te dis qu'elle est allergique aux poils d'animaux. Mais oui, l'autre jour, elle m'a vu à une projection, elle a commencé à me faire des signes comme ça, en faisant lapin, lapin. Je foutrais du lapin, visant à 40 000, je te l'aurais fait bouffer, son lapin. Hein? Qui... Bardot? Pour jouer Bardot vieille? Oh, c'est pas bête.